Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne pour vous présenter un nouveau véhicule qui est arrivé aujourd'hui, donc le Bravado Yoga Classic à 195 000. Je vais vous montrer un peu, donc il est juste ici. Il est vraiment assez cool. Donc, c'est un nouveau véhicule, 4 places, donc ça c'est pas mal. Moi j'ai déjà commandé les derniers mois comme vous avez vu. On va regarder un peu les caractères du véhicule, donc vitesse maximum c'est à 2. Ouais, il en manque 2 plutôt. Oh, même pas. Désolé. Accélération c'est 2, freinage c'est 1 et traction c'est 3. Donc on va regarder un peu le véhicule. Je vais ouvrir. On va ouvrir tout pour voir un peu l'arrière. Je sais pas si on peut rajouter du monde dans le coffre, je pense pas. C'est un peu dommage. Mais sinon c'est vraiment pas mal, on peut monter à 4 déjà. Donc j'ai vu les photos sur Facebook un peu, il ressemble un peu à un véhicule de Scooby-Doo, c'est vrai, avec la couleur vert et jaune, j'avais vu. Et au début, je pensais que c'était ça, et en fait, non, du tout. Donc, c'est vraiment stylé. Donc, on va aller un peu le custom, on va aller voir à quoi qu'il ressemble. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez, le véhicule, si vous trouvez qu'il vaut, s'il est bien ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être pas aimer. Après, voilà, ça change un peu, il est pas trop cher. C'est impec. Réparation, blindage. Donc ça change pas grand chose ça, freinage non plus, châssis, c'est les marches sur les côtés en fait qu'on regarde, voilà, ça peut être vraiment pas mal, hop, moteur, j'ai pas, ah on a des promotions en plus sur les, sur des choses, ah ça c'est les pots, ok, t'as un là, et là c'est le côté, donc c'est les pots sur le côté, éclairage, motif. Donc il y a des motifs, c'est bien, en plus c'est des promotions dessus, donc profitez, c'est des promotions sur les motifs. Je sais pas si ça va être pareil sur tous les véhicules ou pas. Ceci, ah voilà, ça fait Scooby-Doo là, c'est ça, moi j'ai vu comme ça sur Facebook. Là ça fait un peu rouillé, voilà. Moi je pense que je vais partir, c'est sur Surf, qui est vraiment assez classe. Ah merde, attendez, j'ai failli quitter. Assurance bien sûr, plaque, ça change pas grand chose. Voilà, peinture. Ah bah d'accord, c'est que le toit qui change. Condition secondaire, principal. Ah j'ai pas acheté en principe si. Non voilà. Par contre je sais plus c'est en quelle couleur celle-là de Scooby-Doo. Je laisserai en blanc au pire les amis, puis je sais plus du tout c'est quelle couleur Scooby-Doo sur les côtés. Je crois que c'est bleu aussi, blanc. On va laisser en blanc. On va laisser blanc aussi là-dessus. Ça peut même le mettre pareil. Donc j'espère vraiment ce véhicule vous plaît. Dites-moi dans les commentaires, c'est sûr, c'est pas du lourd, lourd, lourd. C'est pas du tuning. Hein. Voilà, c'est pas des grosses voitures qu'il faut 2-3 000 euros. C'est pas. Voilà, ça change un peu, c'est bien. Je sais pas si c'est le même blanc, oui, on va dire oui. Toi. Donc voilà, c'est l'avant si on veut rajouter. Vente, non. Boîte de caisse. Voilà, suspension. Par contre, freinage, faut que je remette un peu. Rayon. Ça, c'est la roue arrière si vous voulez rajouter en plus. Transmission. Turbo, comme d'hab. Roue, fenêtre, ça change pas. Freinage, je vais mettre un peu parce que j'en ai pas. Hop là. C'est pas grand chose. On va aller voir, on va aller faire un petit tour vite fait. Et donc du coup voilà les amis, j'espère que ce véhicule vous a plu, dites-moi dans les commentaires, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, et je vais voir pour changer la couleur parce que le Scooby-Doo je crois qu'il est pas blanc au-dessus, je me rappelle plus, la bonne couleur du Scooby-Doo, du véhicule du Scooby-Doo, donc voilà, j'espère sérieusement que ce véhicule vous a plu, dites-moi dans les commentaires, lâchez un maximum de j'aime et donnez votre avis, moi je vous dis à très vite et ciao bye bye, je vous laisse sur les images, salut!